La vie est une affaire de priorité. Je vous parlais de construire une maison, c'est important. Alléluia. C'est important, il faut construire. Mais je ne peux pas vous dire de construire d'abord, alors que tu viens dans la communication, que tu peux te marier. Je vais te dire qu'il faut te croire te marier. Alors, je ne t'ai jamais dit ça, mais là, je te dis ça aujourd'hui. C'est le mariage d'abord. Parce que quand tu construis une maison, ça ne change pas ta vie spirituelle. Ça n'a aucune incidence sur ta vie spirituelle. Mais si tu te maries, tu règles un problème des péchés. Parce que les impudis, moi, je comprends que les les impudis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec l'impudicité, c'était simple. Pour les prêtres qui vivaient avec des sœurs, qui ne voulaient pas écouter. Je comprends ça comme ça. Tu travailles, tu vas sur le siège, tu n'as pas l'argent. C'est que vous entrez dedans. Je vous dis. Quand vous entrez dedans, vous prenez vous. C'est généralement comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand c'est stress à la mort au Cameroun? Tu commences à aimer une fille, tu l'aimes, tu couches deux ou trois fois, tu trouves qu'elle est sa tu la mets sur son toit, sur ton toit, là où tu lui dis, eh bien, il est bien comme d'un pas. Elle commence à faire les choses qu'une femme est censée faire. Elle se satisfait sexuellement. Elle dit, mais pas la moitié, parce que quand vous avez du travail, vous savez déjà, c'est déjà bien là. Le gibier déjà là, c'est le gibier que j'ai acheté. Quand tu vas à tes réceptions, tu la mets et tu la présentes à ton bien-être, on vous dit, ma femme, ah, c'est madame. Quand on sait que on ne sait pas du bon travail, on va faire peur, on va faire madame, c'est madame. C'est pas madame, tu manges. Quand il fait chaud, il fait froid, pardon. Il te met l'odeur, il te met le chaud. Et ça, comment cette maman blanche aurait pour moi? Parce que je l'ai épousé. Et si tu as des prêts d'être, tu es où? C'est lui les raisons. En soi, la plupart des parents se marient généralement après 10 ans. On a même avec le compilage, parce qu'on base son plein histoire au Cameroun. C'est bien ça, parce que les gens prennent goût. Finalement, tu fais ce qu'une femme mariée pour être. Yes. Ne crois plus que tu fais. Ne crois pas. Et ça a commencé le jour, tu l'as donné. C'est là où ça a commencé. Alléluia. C'est ça. Tu t'es vendu gratuitement. Et les choses gratuites, généralement, n'ont pas de valeur. C'est normal qu'elle ne te prenne pas la valeur. Qu'elle est obligée d'avoir la maison. Tu n'as pas de valeur. C'est toi-même qui as prévu cela. Je vous assure après, c'est sérieux, c'est précieux, le sexe, mon sexe, là, c'est précieux. C'est précieux. Quand tu ne sais rien porter, tu dors. C'est normal, tout c'était grave. C'est pas la valeur. Vous n'avez pas remarqué cela. Les choses qui n'ont pas la valeur, les gens maltraitent cela. Mais je vous assure, quand vous assurez quelque chose, un grand mot. Oui, chérie, c'est cela. Fait que vous m'avez dit que vous êtes parce que vous êtes vendu, vous avez de le coco gratuitement. Je dis bien gratuitement, en nom bien vendu. Toi-même, tu n'es pas au nom. C'est la vérité, les gars, c'est la vérité. Que tu es là, tu viens à l'église, ça te dit, hier tu te dis ça, pour qu'il y ait un autre Dieu, tu viens de donner le chiffre, du pauvre, le souper là, les gens du mariage. Vous savez, les gens, quand ils se marient, vous avez des gens qui ont des visages chiffrés quelque part. Je crois aux anges. Je crois aux anges, justement. Il y a beaucoup d'anges qui marient. Après, les gens, tu te maries. Depuis 10 ans, tu te maries. Pourquoi ça te prend maintenant? C'est comme ça, chauffé. Parfois, ils ont reçu un chiffre quelque part d'un ange. On est à prêtre. De moi, déshonorer la vie du Seigneur. Et puis, quand c'est bien-aimé, vous n'avez